Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous nous retrouvons ici, je vous remontre à quel endroit, j'espère que... Voilà, on venait juste de sauter de la roue, de la grande roue de Seattle, en suivant notre amoureux, je crois qu'on peut le dire, Owen, et qui voulait nous montrer quelque chose d'exceptionnel. Donc, on y va. Alors, j'avais pas vu que l'eau était aussi dégoûtante. De toute façon, même sans l'apocalypse, il y a des gens qui jettent déjà tout dans l'eau. Donc on imagine qu'après, c'est encore pire. Allez, il est là-bas. Allez, on y va. Qu'as-tu de si intéressant à nous montrer, notre ami Owen? Inspire à fond. Un petit peu de sous l'eau. Et là, paf, un requin nous attaque. C'est vrai que c'est quand même pas mal. On était venu déjà, mais j'avais regardé s'il y avait des poissons, il n'y avait rien du tout. Je pense pas que... Et si, on en voit quand même. Non, c'est des poissons ça ou je rêve? C'est complètement dingue. Dingue, c'est une sorte de zoo pour poissons. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps, avec des petites taches partout. Ils ont pas de tâches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont la génération où eux, ils sont nés après, en fait. Comme Ellie. Donne-moi un coup de main. Ok. Oh, oui. C'est bon. Vas-y. C'est quoi cet endroit? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Waouh, c'est beau, en tout cas. Les graphismes. Pour un coq? Quoi? Je fais le loup. C'est mon quai de voile. T'es trop bête. Ouais, mais c'est ce qui te plaît chez moi, alors tu devrais pas trop la ramener. Superbe graphisme. Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de quai d'amarrage. Allez, est-ce qu'on peut grimper au-dessus? Non, par contre, on va aller voir à l'intérieur ce qu'il y a. Des trésors, très certainement. Alors, là, y a rien, y a rien. Petit pull d'enfant. Des vêtements d'enfant. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les wolves. Ouais, les Descartes les ont tués. Toujours aussi optimiste. Une famille entière. Qui a rien à récupérer, les amis, on est d'accord. Ouais. Une famille entière vivait là donc. Allez, on a fait le tour. On continue à visiter le zoo des poissons. Tu crois qu'il y a autre chose? Bien sûr. On y va. Par là, il n'y a rien. Où tu es, Owen? Tu es là? Porte, on va te faire rien encore.
essayer par là. Ah bah oui. Aide-moi à monter. Viens là. Ok. Elle était pas aussi balèze que maintenant. Ah, t'es balèze ? Oui, certes, mais pas autant que maintenant. J'ai soulevé 90 kilos hier. D'intérêt. Elle doit s'entraîner énormément à la musculation. Wow. À l'époque, ça devait être magnifique cet endroit. Il y a des poissons là-dedans. Je me demande s'il y en a qui donnent sur l'océan. Wow. On voit pas ça tous les jours. Celui que j'ai vu n'était pas en bronze, en fait. Wow, magnifique. J'ai vite fait quelle épaisseur. C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde, avec des enfants qui couraient partout. Mon père adorerait cet endroit. Ouais. Il serait comme un fou là-dedans. Ouais. Sera mon royaume. C'est chez moi. Donc là, ça se passe avant. Oh, t'es sûr de ça? En fait, pas vraiment. Je vais attendre de voir si t'es sympa avec moi. T'es vraiment trop con. Tu commences mal. Avant donc l'assassinat de son père par Joël. Ça nous aide à nous situer dans le temps. Elle arrive par là. C'est ça, en les incitant à désobéir aussi. Je trouve pas que ça valait le coup. On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. L'affaire. Je vais y réfléchir. Donc là, c'est visiblement, c'est là que les enfants vivaient, si je me trompe pas. C'est ça? Ah ouais, on voit le portrait de la famille entière. Des livres pour enfants. Là, où sont-ils passés? Il y a le papa, la maman, les enfants. Et une note par terre. Tu respectes ton père, c'est tout à ton honneur, mais tu dois comprendre qu'il cherche à te manipuler, à te faire croire que tu es encore un enfant, car il a peur que tu agisses comme un homme. Tu mérites de vivre dans une communauté capable de porter un esprit aussi fort que le tien, et Max encore plus. Il est très impressionnable, et si tu tiens à ton frère, tu dois l'éloigner de ton père avant qu'il n'hérite de ses faiblesses. Nous repasserons à l'aquarium dans 5 jours. Si tu veux nous rejoindre, allume une torche sur le quai et nous nous y amarrerons. Puisse-t-elle te guider? Oui, alors donc ça c'est une lettre d'Escar destinée aux enfants. Alors je suis très étonné, c'est leur façon de recruter visiblement, mais ils le font pas par la force, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Donc, c'est là qu'ils se faisaient de la cuisine, évidemment. Et oh. On a trouvé le capitaine. Merde. Dad, là c'est le papa. J'emmène Max loin d'ici. Il peut pas passer sa vie enfermé dans ce bâtiment en décomposition. Il ne fera qu'hériter de tes faiblesses. Waouh. Quand les soldats ont tué maman, tu es resté planté là.
comme un lâche. Ce n'est pas un exemple à suivre. T'aurais dû te mettre en colère, t'aurais dû leur faire mal autant qu'ils lui en ont fait. Je veux que Max puisse voir des gens se battre pour ce qu'ils veulent et faire quelque chose de leur vie. Le monde est rude, c'est à nous de le changer. C'est seulement en étant faible que ma véritable force apparaît. Peut-être qu'on reviendra un jour. Si c'est le cas, j'espère qu'on ne te retrouvera pas encore assis dans ton fauteuil. Dans ton putain de fauteuil. Waouh. Ces enfants sont allés rejoindre les SCAR. Non, Romain. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il n'y en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre les SCAR. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con. C'est tout. Bah, dans les zones de quarantaine, on était naïfs. On n'était pas fanatiques. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. C'est pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est... Évite de dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord. Terrible cette histoire du père avec ses enfants. Là. Il leur avait trouvé un refuge ici. La Fedra a dû intervenir. Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. Alors, avec le petit qui a un pinceau. Il y a même un petit chien. Écoutez, c'est quoi? Alors, en fait, les enfants. Max Place. Chez Max. C'est le moment de sortir les clés. Si. Non. Non. C'est bon. Oh. Ça lui prend une éternité pour ça. Je peux pas allumer ma lampe torche, dommage. Purée, c'est magnifique. Ne dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Ouais. Après j'arrive. Regardez en bas. Descends. Ça va aller. Oh, regarde ça. J'aimerais trop rencontrer ce gars. Bah, c'est un SCAR. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Pas mal ta forteresse, Max. C'est vachement bien foutu. Wow. Allez, amène-toi. Dites-le, mot de passe.
suis moche. Je suis moche, c'est ça. Allez. Je suis désolée. Je peux pas t'excuser. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles. Mais Joël est là, quelque part. Je le sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les photos. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Wow, magnifique vue. Donc Les Owen s'étaient cachés ailleurs. Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Excusez-moi. Tu changes encore d'avis ? Non. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin, s'il a vraiment tué Danny... Je s'en fous de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Hé, hey, Abby. Oui, donc la scène de l'aquarium, si je réfléchis bien, j'ai dit une énorme bêtise. Évidemment, c'était après la mort. J'apprécie que tu m'aides, Filéonius. Tu vas y aller comment à l'aquarium? Par l'autoroute? Non, il y a trop de patrouilles. Je me ferai repérer, c'est sûr. Je vais me frayer un chemin. L'aquarium est pile à l'ouest. Il suffit de suivre le soleil, pas vrai? Je viens avec toi. Je l'ai déjà fait. Pas avec autant de scarmes dans l'ordre. Mamie, s'il te plaît. Non ? C'est toi qui vois. Ah oui, je peux à nouveau. Oui, donc écoutez, je vais finir ma phrase là. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Effectivement, ça se passe après le décès du papa d'Abby par Joël. Assassiné par Joël. Oui, parce que si on réfléchit bien, ça se passe 2 ans après. Regardez, hop. La PS3. On y va, il n'y a rien à trouver. Intéressant. Là. Là. On voulait bien quelque chose par là, non? Oui. Et voilà, stimulant, on prend. Bien sûr qu'on prend. Ensuite, par là-bas. Non. Plus. Ça, on prend également, évidemment. Aussi. Qu'est-ce que j'ai comme arme déjà? Ah bah j'ai ça. Attends, 2 secondes, j'ai trouvé une chambre. Quelqu'un qui squattait ici? Qu'est-ce que c'est? Oula. Oh non. Oh non. Des choses en espagnol? C'est privé. C'est pas vrai. C'est ta chambre ici. Dis-moi, t'as combien de donjons SM et pourquoi? Ok, là-bas? Non, l'anglais.
Oui, alors là, je vous conseille de faire pause parce que moi, j'ai pas eu le temps de lire et il y avait des trucs un petit peu croustillantes. Pas mal. Bonne chance. Si tu le retrouves, tu le frappes pas trop fort. Je te promets d'essayer. Sérieusement, fais gaffe à toi, Abby. Bon, qu'à suivre le soleil. Magnifique coucher de soleil. Eh bien, les amis, nous sommes partis. Tout seul. Ami mexicain est reparti, Manny. Ok, bah allez, on continue. Donc vous avez vu Chinatown. La visite commence. Hop, tac. Ça c'est toujours bon à prendre. Ouais, cool. Premier restaurant asiatique que nous croisons. Ouais. S'approche de coups de feu. Les scars ne sont pas loin. Quelqu'un qui s'était barricadé ici, visiblement. Ah, oh, c'est un nouvel arbre de... Ça peut servir. De compétences, cool. Génial. On va regarder ça tout de suite. Alors, ça nous a ouvert celui-ci. Après avoir tué un ennemi d'une éclair, votre prochaine attaque corps à corps sera également une attaque éclair. C'est pas mal du tout ça. J'ai 45 stimulants. Qu'est-ce que je peux faire? Mode écoute vitesse. Et là c'est mode écoute netteté. Détecteur mode écoute apparaissent plus nettement. À travers les murs. Et là. Et là. Parce que après ça il y a quoi? Kit médico amélioré. Stabilité de l'arme. Je vais prendre celui-ci. Charge ton arme. Ah oui, c'est toujours bien de faire le point un petit peu sur une note. Un scar. Lire. Mes amis, pardonnez-moi, je n'ai pas été à l'auteur. J'ai essayé d'échapper à une escouade de Wolf et je me suis fait heurter à un groupe de démons. Attention, de démons. Ils m'ont pris par surprise. Par la grâce de la prophétesse, je mourrai avant que la corruption ne s'installe et que je perde le contrôle de mes sens. Aujourd'hui, plus que jamais, je vois la justesse de notre voie et la perversion des wolves. Je meurs satisfait d'avoir participé à la purification de notre espèce et de notre monde. Si vous me trouvez, brûlez mon corps et accompagnez mon départ de ces paroles. D'accord. Ouais, mais non. Tu vas pourrir ici. Voilà, ils sont vraiment atteints, quand même. Hein. Ouais, c'était ça qui puait. Nous sommes où? Oh, dans un magasin de vêtements.
à récupérer. Ok. Et ici. Oh, j'entends les coups de feu. De plus en plus intensément. Alors, il y a bien une... Il y a bien une petite tour là-bas. Là. Hop. Je vais la vie. Plein. Oh, qu'est-ce que je peux... Bien, me fabriquer quelque chose de plus, non? Créer un kit médical, non? Je peux rien créer. Pas en position de créer quoi que ce soit. Autant d'y avis. Et là, on peut récupérer. Voilà, impeccable. Ah, j'ai vu une ouverture ici, c'est possible? Non? Non. Hop. Hop là. Là où oui. Une chaussure. Allez, la collection de pièces. Qui continue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'intéressant? Oui, là. Continuez à parcourir tranquillou bilou. Notre périple. Ah oh purée. Non 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 non. Oh, il est là. Bouge plus. Comme j'ai flippé. Eh ben, ça commence bien. J'ai tombé un truc. Mince. Elle a fait tomber un truc. Oh non. Purée, comme elle fait flipper. Pas d'autre, j'espère, hein, c'est bon. Et je suis pas assez vigilant. Un ruban. Moments où je fais très très attention et d'autres moments où je suis en freelance là. Allez, prends tout ça. Hop, c'est bon. Là, il y a bien quelque chose. Oui, oh là là, oui. C'est Noël ici. Ouais. Une lame. J'ai encore vu quelque chose, c'est possible? Non, c'était une lampe. Et j'entends toujours les bruits de... les coups de feu au loin. Où est-ce que je suis? Ah bah oui, voilà, je suis passé là où je voulais passer tout à l'heure. Tiens. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à récupérer? Ah, là il y a un passage. Mais je vais aller regarder quelque chose d'autre, les amis. 2 secondes. Donc ça c'était voulu, hein. Je me suis lamentablement vautré par terre, mais c'était voulu. Tu parles que c'était voulu. Bon.
n'importe quoi. Non, mais écoutez. On va y retourner, hein. Là, j'ai loupé de quoi confectionner. Non, c'est pas ça qui me manque. Il manque une bouteille. Parce que j'y prends goût à mes petits tuyaux explosifs, je vous le cache pas. Bon, attends, on va arrêter de tourner en rond, hein, quand même. Allez, par là. Hop, là. Elle est où l'ouverture, hein? Là. Et là, ça vaudrait le coup qu'il y ait un deuxième monstre qui me saute dessus, là. Ça serait sympa. Allez. Hop. Bien joué, Abby. Et on va passer par là-bas. C'est parti. Dans ce petit tunnel. C'est quoi ça? Waouh. Qu'elle te protège ou qu'elle te guide. C'est quoi? Puisse-t-elle te guider? Il est temps que les wolves réagissent là, les amis. Écoutez, je crois que avant de me faire dévorer, on va se quitter ici. J'espère que vous êtes bien amusés en ma compagnie. Bon bah les amis, je pense que nous allons nous quitter ici, ça fait un petit moment que nous sommes ensemble. J'espère que vous avez pris plaisir, prenez bien soin de vous, et à bientôt. Salut !